Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur encore une map, alors encore un peu spéciale, hein, c'est pas une map Chancréa. Pourquoi Chancréa? Soit. Donc je sens Chancréa visiblement. Bah ouais, je peux me mettre en créa. Bon, pourquoi pas. Alors, cette map, comment? C'est vulgairement comment? Il faut survivre à 30 vagues de zombies qui sont des défoulés. Il y a le fichier Ruinmi que j'ai pas lu d'ailleurs. En soi, non, c'est Alt V pour lire depuis. Donc soyez sûr que vous soyez pas en pissoule, d'accord. Je suis en normal normalement. On va se mettre en facile. Oh, c'est avec celle-là. On va faire la vague avec l'aura de feu là. Ah, ça va être énorme ça. Aura de feu. On va y aller quoi. Oh. Ok. Donc attendez, donc 205 kills et 6 morts pour le moment. Donc bon. Ouais, évidemment, vu que j'ai lancé le jeu, je sais pas au niveau des. Ok, donc ça c'est fermé. Là-bas c'est ouvert. Ah. Drawing room. Alors je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas c'est sympa. Ouais, ça a l'air d'être un salon. Ah, j'adore le pattern. Eh, c'est une idée de génie ça. J'ai jamais pensé à ça. Mais ouais, en décoration, ça peut être super sympa. Ok. Oups. Ouais, et puis là, bon, bah, ça fait des un petit peu table de poker. Ouais, non, super sympa. Franchement, ouais, j'adore le style. La petite cheminée qui va bien. Question, c'est comment est-ce qu'on peut. C'est de la laine, ça. Dommage qu'on puisse pas. Parce que le. Comment? On propagerait le feu ici et on y amènerait les zombies. Ce serait assez sympa. Mais en soi, ça nous fait une salle où on peut se protéger. Entre guillemets. On est déjà à la wave 12, hein, à la 12e wave. Donc, ok, ça ce sont des notes blocs. Ok, ah, il y avait une autre salle ici. Ok, ça c'est la porte qui s'ouvre à la 30e vague, après la 30e vague. Bon! Bon, on va y aller avec une aura de feu. Ok, et la cuisine vient de s'ouvrir. Il vient de me dire que la cuisine était ouverte. On va aller jeter un œil à la cuisine après. À l'occasion, il y a de quoi manger. Ce qui semblerait logique. On va essayer de les amener dans la salle. Ok. Bon, là-bas, ça. Ok, il y a les petits. Ok, je fais du dégât. Le jeu, c'est les emmener là et là. Je vais rien faire. Ah, quoi que. Ouais, ils finissent par pousser et passer. Vraiment de la bière, mais. Enfin, ça permet de les, quand même de les.
de réduire le débit. Mais bon. Ok. Non, j'en suis pas venu entièrement à bout. J'entends encore un zombie, il est là-haut. Brains. Bon, excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Bon. En soi, notre flamme, là, elle peut encore... on pourrait combiner les deux autres. Alors, avant tout, kitchen. Kitchen. Oh. The cake is not a lie. oui, pour ceux qui ont la référence. Oups. Mais on va quand même... sympa le feu au milieu. Ouais. Les trucs d'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Oh, ils auraient pu au moins nous laisser un bonus, quoi. Ok, il y a un autre gâteau ici. Ils sont sympas les gâteaux avec Affinity HD, j'ai jamais fait attention. Ouais. Deux gâteaux. Eh ben, on va aller loin avec ça. Attendez. Bon, donc excusez-moi pour cette petite coupure. On va continuer. Alors, elle fait quoi? Elle est châtiment. Ouh, je suis content. Bon, même stratégie. On va aller les attirer là-bas. On va quand même essayer de faire un max de dégâts avant. Mais je pense que c'est la bonne stratégie de faire comme ça un goulot d'étranglement. Je sais pas ce qui me touche, mais ça me touche. Ok, je suis mort. Ok, et donc l'arc. Ok. Pogo. Ah ouais, et puis le problème c'est qu'après quand il touche, et bien il m'en flamme. Donc faut faire attention avec la flamme quand même. Ok. L'autre visiblement il a pas lâché son... Ah si. Un plastron, ok. On va voir ce que ça donne. Je me méfie, hein. il doit y avoir encore un qui traîne. Bon. Ouais, je me suis heurté à la colonne en reculant là. Ok. Bon, donc ici, ok. Je peux manger. On va aller réparer notre épée, on va les fusionner. Avant, on va peut-être passer à la table d'enchantement. C'est quoi qui nous a trouvé? Ah non, c'est une tunique en cuir. Oh, non, on s'en fout. On s'en fout. Ok, alors, on va fusionner la tranchant et la châtiment. Oh tiens, on va complètement fusionner les mots au lieu de marquer MDG's Wars. Ou MDG's Sword, on va marquer MDG's Sword. Voilà, comme carrément. Nickel. Donc là on a ah ça m'a viré le châtiment, on peut pas fusionner châtiment et tranchant. Ah d'accord, ok. Ouais bah remarque, tranchant c'est mieux que châtiment. Donc on n'a rien perdu sur ce coup là.
Ok, il y en a un qui arrive derrière moi. J'ai passé la porte. Je suis mort. Bon. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée en fait, l'histoire des portes. Ça marchait une fois, mais ça marche pas deux. Bon. Eh ben, ça progresse, ça progresse. Voilà. L'autre, apparemment, il a rien de... Ah si, une armure en or. On va... Voilà, encore une petite coupure, excusez-moi. On récupère les levels, on va enchanter l'arc. On va faire ça parce que... Donc on est à la 15e vague, donc on est au milieu. On est à la moitié, je regarde juste où on est... non, c'est pas là, c'est là. Ouais, c'est bon. Mon disque dur est à moitié. Je resature pas encore mon disque dur. On va refusionner. Ah, oh, on a encore. D'accord, ok. Alors, petit arrêt à la table d'enchantement. Juste une question, est-ce que la librairie est ouverte? La librairie. C'est pas là. C'est quoi ça? Ok, ça pareil. La librairie. Elle est en haut la librairie, je crois. Ouais, donc si elle est en haut, à mon avis, ça doit pas être pour maintenant. Ok, encore des niveaux. Ah ouais, ici, est-ce qu'il faut aussi un niveau? Attendez. Voilà, niveau 11. Il y a une flèche ici, je peux pas la récupérer. Qu'est-ce que ça donne les pièces là-haut? Attendez, hop, il y a encore un petit peu d'XP ici. Alors, les salles ici, celle-là est fermée, et celle-là, donc c'est la librairie qui m'intéresse. Non, elle est fermée. Donc, et ben, on va encore enchanter au level. En soi, je suis pas sûr que... Bon, allez, level 6... Tranchant 1, on va pouvoir fusionner avec la celle-là. On va attendre qu'elle s'abîme un peu, puis on... 6, niveau 6. Attendez que je regarde. Niveau 6. Combien il nous faudrait pour ces deux-là? 18, niveau 18. Ouais. Écoutez, on va la garder encore un petit peu. En soi, on pourrait abîmer la nouvelle. On va continuer un petit peu avec l'aura de feu. On va continuer comme ça. 8 morts. Bon, bah tant pis. Je trouve que c'est un bon entraînement pour savoir... hop, ah, raté. Je voulais passer entre les deux, c'est raté. Oula, eh, vous sortez d'où les mecs? D'accord, il y en a qui sortent de là-bas.
D'accord. Attends une minute, je me heal. Alors, attendez. J'avais presque. Enfin. Je fais un petit peu n'importe quoi, on est d'accord. Hein. Mais je voyais que mon épée était abîmée, donc enfin était trop abîmée, donc on va la. On va l'économiser un petit peu. Hop, ils ont mis en armure là. De fer. Ok. Niveau 16, en soi, on va pouvoir encore fusionner nos épées. Encore la renommée pour éviter que ça nous coûte une blinde après. Ok. Reste sur tes gardes, MDJ. Bon. Voilà, se passe pas grand chose. Alors, est-ce que. Ouais, j'avais dit aussi que je. Ouais, en soi, la tranchant là, on va encore la garder encore un petit peu. Solidité 1, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je peux pas réenchanter, non. Faut refusionner pour réenchanter après. C'est ça qui est aussi agaçant. Ok, instant régène. Instant régène avant de reprendre. Donc ça c'était la 16e ou la... Ouais c'est ça, la 16e. Bon, je suis à 339 kills pour 8 morts. Oula, ça commence pas. Bon. Hop.
Ok, il y en a qui sont restés en haut de l'escalier. 19 niveaux. Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont restés là-haut. Oh non, ils sont 4. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont toujours aussi buggés dans les escaliers, ça change pas. Je suis à 1.7.2, hein, toujours. Ça change pas. Je régène en même temps, je récupère l'XP et on va aller fusionner nos épées. Ok, bon, il n'y a plus rien. 380. Alors, tranche, non pas celle-là, celle-là avec celle-là, ce qui nous fait une tranche en deux, aura de feu 1. Excusez-moi, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, je suis à la vague 17, je sais pas si ça a coupé il y a longtemps. Ou si c'est mon disque dur qui est en fait, je n'ai pas vérifié ça. Ah non, c'est... Oui, ok, non, c'est au niveau de l'enclume. Ouais, c'est quand j'ai appuyé sur le point, parce que, j'ai... Oh, là, j'ai fait... Là, j'ai fait vraiment le con. Il s'est enfermé là où il fallait surtout pas. Il fallait surtout pas s'enfermer là, et bien sûr, faut s'y mettre. Bon. Ok, c'est encore un qui résultat à encore son sa hitbox est buggée parce qu'apparemment quand ils rentrent dans cette salle là après leur hitbox elle bug. Il est sorti celui qui est buggé ou pas, ouais. Bon. Ouais, là j'ai fait le con, hein. C'était obligé que je devais mourir là. Je régène même pas, je tente la vague suivante. Vraiment arrivé de partout. Hein. Je me suis bloqué, mais je me suis bloqué. J'espère que quand on s'approchera du niveau 30, on aura des diams. Ah, on a des choses.
s'il y a une salle qui s'est ouverte là-haut. Il y a un message bizarre, mais c'est bizarre, ça parle de nourriture, donc pour moi c'est au niveau du... Ah oui, non, oui, ça nous a rajouté 10 en nourriture, d'accord, ok. Ouais. Bon, en soi, si on en a 10 de plus. Voilà. On va se rassasier quand même un petit peu. Bon, bah... Oula! Heureusement que je regarde mon épée. Bon, et ben là, on va la... là, c'est sûr qu'on va la réparer avec la solidité. Alors. 19, voilà. Et là. On peut encore la réparer un petit peu. Level 20 pour la réparer avec un lingot. En soi, on attendra d'avoir plutôt un autre lingot pour avoir une épée. Vague suivante. Oh la vache, oh le gang bang. Bon. C'est comme une boule de flipper. Tourner les serviettes. Bon, je vais peut-être arrêter mes vieilles références toutes pourries. Ok, donc ça c'était la vague 20. Et j'ai pris cher sa mère. Le jour où on pourra purifier la viande de zombie pour en faire de la nourriture convenable, ce jour-là, mais alors... Je ne jouerai à rien d'autre qu'à Minecraft. Non, je déconne. Mais bon... Un petit trou cuisine. Oh. Ouais, les choses. Hop. J'adore le mec, il a des gâteaux dans la cuisine et non, il préfère bouffer de la viande de zombie. Bon, enfin bref. Oups. Alors ça c'était très con. Mais au moins, je suis soigné. Bonjour. Non, il n'y a plus de zombies ici. Ok. Moi je propose c'est qu'on fasse les foufous. On va faire les foufous. Voilà. Oh. Je veux. Voilà. J'ai invoqué deux vagues d'affilée là.